qui est une fondation privée avec des missions d'intérêt général d'ordre public. Alors on aide les particuliers à restaurer leur patrimoine à travers un mécanisme qu'on appelle le label de la Fondation du patrimoine, qui permet aux bénéficiaires de défiscaliser tout ou partie des travaux qu'ils réalisent. Et en plus, on donne à ces particuliers une subvention qui nous vient des départements, puisque tous les départements aident la Fondation pour les particuliers. Notre deuxième grande mission, donc, c'est d'aider les collectivités et les associations qui portent les projets des collectivités à restaurer le patrimoine commun, si je puis dire, le patrimoine public, et à travers un autre mécanisme qui est la souscription populaire, la souscription publique. Donc on monte des souscriptions, comme on l'a fait aujourd'hui pour le tableau de l'Absomption de la Vierge. Et en plus de cet argent qu'on collecte, qui est bien sûr défiscalisé, puisque les particuliers, que ce soit les particuliers ou les entreprises, en plus de cette souscription, du produit de cette souscription, on donne également une subvention pour aider le projet, qui nous vient là de Bercy, puisque on touche une partie des produits, des successions en déshérence, donc qui revient donc dans les collectivités pour restaurer le patrimoine français.